Bien tout le monde, c'est Trainer Chrono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça sera les 6 pronostics du jour comme à son habitude, donc pour demain le 11 du 10 2021, donc lundi, sur les deux dernières vidéos on a fait un 5 sur 6 et un 6 sur 6, donc si vous avez raté ça les gars, c'était énorme, n'hésitez pas à aller voir les vidéos et consulter les paris gagnants. Donc n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve pour le premier pronostic qui sera Mozambique contre le Cameroun à 15h demain. Donc juste après ça les gars. Du coup, premier pronostic, ça sera Mozambique contre le Cameroun. La cote de Mozambique est donnée à 8,50. Le match nul à 3,85 et la cote du Cameroun à 1,45. Sur les trois derniers matchs de Mozambique, c'est deux défaites, un match nul. Ils perdent 3-1 contre le Cameroun, perdu 1-0 contre le Malawi et font 0-0 contre la Côte d'Ivoire. Du côté du Cameroun, c'est deux victoires, une défaite. Ils gagnent 3-1 contre Mozambique, perdu 2-1 contre la Côte d'Ivoire et gagné 2-0 contre Malawi. Au classement, Mozambique est actuellement 4ème de sa poule, le Cameroun 2ème. Du coup, sur ce match, je vais jouer le Cameroun gagnant. La cote est à 1,45. Le match commence à 15h. Deuxième match, ça sera l'Estonie contre le Pays de Galles. La cote de l'Estonie est donnée à 6,50. Le match nul à 3,80 et la cote du Pays de Galles à 1,58. Sur les trois derniers matchs de l'Estonie, c'est une victoire, un match nul, une défaite. Ils gagnent 2-0 contre la Biélorussie, font 0-0 contre le Pays de Galles et perdu 0-1 contre l'Irlande du Nord. Du côté de des Pays de Galles, sur leurs trois derniers matchs, c'est deux matchs nuls, une victoire. Ils font 2-2 contre la République tchèque, 0-0 contre l'Estonie et gagné 2-3 contre la Biélorussie. Donc au classement, l'Estonie est actuellement 4ème, les Pays de Galles 3ème. Sur ce match, je vais jouer les Pays de Galles gagnants. Donc victoire des Pays de Galles à 1,58. Le match commence à 20h45. Troisième match, ça sera la Lettonie contre la Turquie. La cote de la Lettonie est donnée à 8,50. Le match nul à 4,75 et la cote de la Turquie à 1,35. Sur les trois derniers matchs de la Lettonie, c'est deux défaites, un match nul. Ils perdent 0-1 contre les Pays-Bas, font 0-0 contre le Monténégro et perdu 0-2 contre la Norvège. Du côté de la Turquie, sur leurs trois derniers matchs, c'est un match nul, une victoire, une défaite. Ils font 1-1 contre la Norvège, perdu 6-1 contre les Pays-Bas et gagné 0-3 contre Gibraltar. Donc au classement de la poule, la Lettonie est actuellement 5ème, la Turquie 3ème. Sur ce match, je vais jouer la Turquie gagnant, donc victoire de la Turquie à 1,35, le match commence à 20h45. Quatrième match, ça sera la Norvège contre le Monténégro. La cote de la Norvège est donnée à 1,55, le match nul à 4,20 et la cote du Monténégro à 6,25. Sur les trois matchs de la Norvège, c'est un match nul, deux victoires. Ils font 1-1 contre la Turquie, gagné 5-1 contre Gibraltar et gagné 0-2 contre la Lettonie. Du côté du Monténégro, c'est une victoire, un match nul, une défaite. Ils gagnent 0-3 contre Gibraltar, font 0-0 contre la Lettonie et perdu 4-0 contre les Pays-Bas. Donc au classement, la Norvège est actuellement 2ème, le Monténégro 4ème. Sur ce match, je vais jouer la Norvège gagnante à domicile. Donc victoire de la Norvège à 1,55. Le match commence à 20h45. Pour le cinquième match, ça sera la Croatie contre la Slovaquie. La cote de la Croatie est donnée à 1,43. Le match nul à 4,50 et la cote de la Slovaquie à 8. Sur les trois derniers matchs de la Croatie, c'est 3 victoires, 0-3 contre Chypre, 3-0 contre la Slovénie et 0-1 gagné contre la Slovaquie. Du côté de la Slovaquie, c'est 2 défaites, 1 victoire. Ils perdent 1-0 contre la Russie, gagné 2-0 contre Chypre et perdu 0-1 du coup contre la Croatie. Au classement, la Croatie est actuellement première, la Slovaquie 4ème. Sur ce match, je vais jouer la Croatie gagnante, donc victoire de la Croatie à 1,43. Le match commence à 20h45. Et pour le dernier match, ça sera la Macédoine du Nord contre l'Allemagne. La cote de la Macédoine est donnée à 13, le match nul à 6,75 et la cote de l'Allemagne à 1,23. Sur les trois derniers matchs de la Macédoine, c'est une victoire, deux matchs nuls. Ils gagnent 0-4 contre le Liechtenstein, font 0-0 contre la Roumanie et 2-2 contre l'Islande. Du côté de l'Allemagne, sur leurs trois derniers matchs, c'est trois victoires, 2-1 contre la Roumanie, 0-4 contre l'Islande et 6-0 contre l'Arménie. Donc au classement,
La Macédoine du Nord est actuellement deuxième, l'Allemagne première. Sur ce match, je vais jouer le plus de 2,5 buts dans le match. Donc au moins 3 buts dans le match, la cote est à 1,33, le match commence à 20h45. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on encaissera comme sur les deux dernières vidéos. En tout cas, merci du soutien les gars, ça ferait énormément plaisir si vous mettez un petit commentaire avec vos pronostics à vous. Donc mettez vos pronostics en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo les gars. Merci et ciao bye.